Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir Imperfect, c'est un synthétiseur de WA Production. Pour trouver Imperfect, il vous suffira d'aller sur le site de WA Production, donc www.waproduction.com, et vous allez tomber sur le synthétiseur. Vous allez dans la section plugin, instruments, et donc vous allez avoir ce petit synthé qui est vraiment pas mal. Il va fonctionner à partir de deux oscillateurs. On va même pouvoir mêler le sampling avec la synthèse. Il y a des petits effets réellement intéressants. Il va être plus orienté, entre guillemets, dance music, dubstep, techno, tout ça. Mais on peut faire aussi du hip-hop avec, puisque ça reste un synthétiseur. Il suffit de faire un petit peu de sound design. On va aussi trouver Imperfect directement sur le shop de boutique plugin au prix de 79€ pour ceux qui ont un compte, ce qui va leur permettre d'avoir une petite réduction. Et donc, vous allez avoir des informations sur le synthétiseur. Maintenant, on va aller voir comment ça fonctionne, en sachant que le VST va fonctionner en 32 et 64 bits sur toutes les plateformes quasiment, puisqu'on va avoir VST, AAU et AAX. Donc maintenant, on va aller dans Reason. On se retrouve dans Reason. Alors, pour ce tutoriel, j'ai utilisé énormément de produits de chez WA Production pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc on va détailler tout ça, et on va voir un peu les spécificités du synthétiseur Imperfect. Donc déjà dans mon bus master, j'ai mis le sphère comp qui est un compresseur qu'on peut utiliser de deux façons, soit de façon traditionnelle ou alors en mode bus compresseur, donc qui va émuler un compresseur de type SSL. C'est un très bon petit VST. On a pas mal de presets si au départ vous n'êtes pas super à l'aise avec les réglages des compresseurs. On a vraiment tout ce qu'il faut, que ça soit pour mettre sur un bus, pour faire du mastering, des drums, vocal, orchestra string, synthétiseur, bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ensuite, si on continue, j'ai utilisé sur mon kick le helper transient. Donc en fait, c'est tout simplement un transient shaper qui vient de chez WA Production, avec lequel on va avoir un high pass, un low pass filter, et on va pouvoir agir directement sur le transient du kick, donc l'attaque et le release. C'est un excellent effet qui peut être relativement utile. Ensuite, sur mes hi-hats, j'ai mis le sphere delay, qui est aussi un effet de chez WA Production, avec pas mal de presets à l'intérieur. Ensuite, il y a la possibilité de créer délai mono, délai stéréo, synchronisation au tempo. On va avoir un LFO, une partie filtre. Bref, il y a vraiment de quoi faire. C'est un excellent petit effet très créatif. Sur mon bus de drum, j'ai mis tout simplement le pumper. Donc ça va être un compresseur avec un saturateur pour pouvoir rajouter de la saturation. Et on a un éhanceur d'image stéréo inclus à l'intérieur. Sur ma 808, j'ai déjà mis un premier plugin de saturation, le Screamo, qui vient de chez WA Production aussi. Et ensuite, j'ai utilisé le Pumper 2. Donc ça va être un compresseur saturateur avec l'image stéréo, sauf que c'est la nouvelle version par rapport à celui-ci. Donc là, on a le grand frère qui était là, c'est la première version, et là, on a la deuxième version. Ensuite, après le Pumper 2, j'ai utilisé une première instance de Imperfect pour pouvoir créer des sons de synthèse type plug. Ensuite, j'ai utilisé une deuxième version. Donc si je mets les deux en solo, ça va nous donner ceci.
il y a vraiment de quoi faire. Sur mon bus de synthétiseur, j'ai utilisé le Helper Equalizer pour pouvoir sélectionner certaines fréquences, les booster. Il faut savoir que le Helper va pouvoir gérer soit l'oreille de droite, l'oreille de gauche, le mid, le side et la stéréo. Ensuite, vous choisissez une fréquence et vous pouvez soit la booster, soit l'atténuer. Si on continue, j'ai utilisé mes pianos. Bon, par contre, j'ai mis un effet looperator qui vient de chez Sugarbeat. Et sur mes pianos, pareil, j'ai utilisé l'helper equalizer pour affiner le son. Sur le bus, j'ai rajouté Dutch Pro qui peut servir soit à faire du sidechain ou on peut l'utiliser aussi comme gate. Donc là, c'est sur un violon. C'est celui-ci. Si là, je me mets en solo. Donc là, je l'ai utilisé en gate avec un preset sur les high, un preset sur les mid et au niveau du low, je l'ai laissé tel quel. Ça va me permettre, en fait, de créer des effets de gate sur des fréquences différentes et ensuite pouvoir jouer sur le gain de la fréquence en question. C'est vraiment pas mal comme outil. Si on continue la visite, j'ai réutilisé un autre helper pour pouvoir gérer mes violons. La dernière instance de Imperfect, ça va être pour le tuto. Donc si on écoute le son dans son ensemble, j'enlève le solo. WA Production fait pas mal d'outils relativement bien pensés. Donc maintenant, on va aller voir ce que donne le Imperfect et on va faire un petit tour du propriétaire. Donc quand on ouvre le VST, en haut, on va avoir la fenêtre de preset avec différents types de sons. Donc là, ce sont des ambiances. Hop, on a encore une banque d'ambiances avec pas mal de petits. Après, on a une première banque de basses. Hop, je vais ressortir de là. Ensuite, quand on prend, donc là je suis revenu au preset d'origine, je vais me remettre sur le preset de basse, voilà. Donc après, en dessous, on va avoir l'oscillateur numéro 1 qui va nous permettre de choisir entre différents types d'ondes pour créer notre son. On va avoir un bouton pour les octaves, donc soit en négatif, soit en positif. On peut aller jusqu'à plus 2 ou jusqu'à moins 2 pour les graves.
À côté, on va avoir un des tunes. Ensuite, on va avoir une sorte de stéréo whiz. Et enfin, un potentiomètre pour la modulation. En dessous, on va avoir l'oscillateur 2 avec le choix pareil de différentes formes d'ondes, le bouton pour l'octave, le détune, le stéréo whiz. Et enfin, là, cette fois, on va avoir un bouton FM qui va nous permettre d'utiliser l'oscillateur 2 pour moduler l'oscillateur 1 et donc pouvoir produire des sonorités FM. Juste à côté ici, on va avoir le mixeur, c'est-à-dire qu'on va avoir une tirette de volume pour l'oscillateur 1, une tirette de volume pour l'oscillateur 2. Ici, on a une tirette pour le sample, puisque ici, on a un petit sampleur dans lequel on va pouvoir importer donc des samples pour pouvoir mêler le sampling et la synthèse du synthétiseur. Donc si par exemple vous voulez créer une grosse 808, rien ne vous empêche d'importer, vous avez juste à cliquer, hop, là je le mets en marche, voilà, vous allez dans vos dossiers, vous récupérez votre forme d'onde de 808, vous l'importez, ça vous fera une base de travail avec son potentiomètre ici, et ensuite vous allez pouvoir agrémenter votre sonorité avec les deux oscillateurs. Ici, on va avoir la tirette pour le générateur de sub, en sachant qu'on va pouvoir choisir une forme d'onde différente pour pouvoir générer différents types de sub. Et enfin, on a une tirette pour le noise, donc générateur de bruit, et on va pouvoir choisir entre différents types de bruit pour rajouter au niveau de la synthèse. Là, on va avoir l'écran avec le vumètre de sortie et la forme d'onde. Voilà. Là, si je coupe tout ça. Comme vous voyez, on a quand même un arsenal assez conséquent pour pouvoir faire du sound design. Ensuite, on va avoir l'enveloppe numéro 1 ici qui va pouvoir intervenir sur le filtre. L'enveloppe numéro 2 qui va être l'enveloppe générale du son, donc pour créer, pour sculpter votre sonorité. Donc là, par exemple, mon release est complètement en bas. Hop, je vais pouvoir sculpter mon son. Ensuite, ici, on va pouvoir sélectionner aussi une destination pour que l'enveloppe agisse aussi sur une autre destination que l'enveloppe générale. Ça va être la même chose en ce qui concerne l'enveloppe du filtre. On va pouvoir déterminer une autre destination pour que l'enveloppe agisse et sur le filtre et sur la destination choisie. En ce qui concerne le filtre, on va pouvoir choisir entre un low pass, band pass et high pass filter. Ce qu'ils appellent emphasis ici va correspondre en fait à la résonance.
Là, ici, on a cet effet-là, puisque l'enveloppe va agir sur le master tune et j'ai mis le amount en positif. Si je reviens en négatif, là, pareil, je peux très bien aller mettre sur le chorus, à condition qu'il y ait du chorus. Voilà. Donc là, on a vu le filtre. Donc on va avoir cutoff, résonance ou emphasis, un potentiomètre pour ajouter de la saturation, donc du drive. Ensuite, ici, on va pouvoir doser l'envoi du filtre, enfin, l'envoi de la gestion du filtre par rapport à l'enveloppe numéro 1. Et enfin, le potentiomètre de keyboard tracking. Juste en dessous, on va avoir le multi-effet avec un phaseur, un chorus, un délai qu'on va pouvoir synchroniser au tempo en appuyant directement ici. Et grâce au time, on va pouvoir choisir la quantification du délai. Ensuite, on ouvre la mount. Si je l'enlève, voilà. Pareil pour le chorus, on va avoir les différents paramètres du chorus, donc le speed, feedback, def et enfin la mount directement ici. Phaseur, ça va être la même chose. Après, on a nos deux LFO, en sachant qu'on va pouvoir le synchroniser directement au tempo et ensuite régler la vitesse grâce au rate, ou alors on le désynchronise et on règle la vitesse directement, enfin toujours grâce au rate. On va pouvoir choisir une destination sur laquelle le LFO va agir en direct. Il n'y aura plus qu'à ouvrir le bouton Amount. Donc là, il joue sur le volume, le master gain ici. Je peux changer la forme d'onde du LFO. Et donc, on va avoir le LFO 2 et le LFO 1 en cliquant directement sur l'étiquette correspondante. Sur le côté ici, en fait, on va avoir une gestion des effets qui va nous changer en même temps l'apparence de la couleur du synthétiseur. Donc là, Wacky. Ensuite, on a Cracky. Et ici, ça va jouer sur le détune. Ensuite, on arrive à la partie clavier ici. Donc, on va avoir deux touchpads. Donc là, quand on prend au niveau des effets, ils ont été réglés un sur l'oscillateur 2 FM, ici, l'autre sur le cracky, ce qui fait que quand je vais bouger mon pad, ça va jouer. Donc après, il n'y a plus qu'à créer des automations avec ça pour pouvoir pareil de l'autre côté, là on va avoir le drive qui va être hop, mis avec le chorus, ce qui fait que lorsque je vais bouger le pad,
ensuite, on a les boutons Amount de chaque paramètre pour pouvoir doser l'envoi de l'effet. Donc ensuite, si je me mets par exemple, hop, je vais descendre l'octave, retirer le sub. Maintenant, je vais réinitialiser le synthétiseur, hop, init, et on va parler un peu de la partie qu'on va avoir juste au-dessus du clavier. Donc là, j'ai le preset d'origine. On va le sound designer un petit peu, histoire de lui donner un peu plus de vie. Là, je vais prendre une autre forme d'onde. Voilà, je vais lui rajouter du délai. Très bien aussi mettre quelques effets face à ces tirettes. Donc maintenant qu'on a vu les deux parties FX ici, là on va avoir le gain général du synthétiseur. Ici, on a un bouton poly qui va nous permettre de créer des accords, ou mono qui va nous permettre de jouer en mono. Juste à côté, on a le bouton glide qui va nous permettre de rajouter du glide. Là, on a le tune général du synthétiseur. Et de ce côté-là, on a la partie arpégiateur. Donc pour pouvoir mettre l'arpégiateur en marche, il suffit de cliquer sur arpège. Voilà. Je vais pouvoir soit avoir une arpège montante ou une arpège descendante. Juste en dessous, j'ai les petites LED qui vont déterminer sur combien d'octaves l'arpégiateur va jouer. Réduire la vitesse, la synchroniser au tempo, et si je me mets ici de ce côté là, vous voyez là on a on, latch, off. Donc quand on est ici et que l'arpégiateur est allumé, tant qu'on n'appuie pas, il ne se passe rien. Donc on peut appuyer sur une seule touche ou créer un accord arpégé. Dès que je vais passer en poly avec le mode arpège allumé, ça va mettre en marche la fonction latch. Et là, à ce moment-là, j'aurai juste à mettre une pichenette sur mes touches pour que l'arpégiateur se lance et ne change qu'une fois que j'aurai appuyé sur d'autres notes de clavier. Donc au vu de tout ce qu'on a ici, il y a des possibilités énormes en fait avec ce petit synthétiseur. Donc je pense qu'on aura fait le tour de ce petit synthétiseur. Alors même si au départ il est orienté dance, et tous les sons de musique électronique, après, quel que soit le style de musique que vous allez faire, avec un peu de sound design, il y a de quoi faire. Il est très simple, mais quand même relativement puissant.
Donc, comme vous l'aurez vu, avec les produits WA Production, on peut faire pas mal de bonnes choses. C'est très bien pensé. Ça coûte pas spécialement cher. Il y a un très bon rapport qualité-prix. Et honnêtement, sur le site de Boutique Plugin, il y a souvent des promotions sur les outils WA Production. Si vous allez sur Deal, hop, Discount Amount, voilà. Et là, comme vous allez voir, par exemple, le Screamo est à 3, on va dire 4$. Là, le pack avec le Helper, le King et différents effets pour 15$. Le Vocal Splitter, 3$. Donc, il y a largement de quoi faire. Vous avez aussi Instacord. J'ai déjà fait une vidéo sur ce VST qui est vraiment très très bien à 17$. Le Babylon, celui-ci je ne l'ai pas encore testé, j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir le tester. Bref, en cherchant bien, il y a possibilité d'avoir du très bon VST à des prix défiant toute concurrence. Donc j'espère que cette petite visite dans l'univers de WA Production vous aura plu. On aura découvert pas mal de VST de leur gamme. Ils ont un excellent rapport qualité-prix. Le Imperfect est un très bon petit synthétiseur pour se mettre au sound design et apprendre facilement les principes du sound design. Donc, laissez-moi vos commentaires si vous en avez à faire sur WA Production. Lâchez votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut!